Pourquoi est-ce que la suite de la saison 4 de Wakfu se fera en manga webtoon ? Cette question est intéressante parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, en fait, les gens demandent, même ne comprennent pas pourquoi en fait on fait la suite en manga, en webtoon, plutôt que de la faire en animé. Alors je l'ai dit plusieurs fois, c'est beaucoup plus sombre ce qui nous attend entre l'ère de Wakfu et l'ère de Weaven. Et ce passage-là, c'est pas que c'est pas bien, c'est que j'ai vraiment pas envie de le faire en animation. En Wakfu, on parle quand même, on a tout fait. On a parlé de la folie, on met des morts, on a quand même Evangeline qui est enceinte, qui prend une flèche dans le ventre. On arrive à un niveau qui est quand même assez important en termes d'intensité émotionnelle, on va très très loin. Par contre, c'est quand même bien quand il y a un vrai happy end pour l'anime. C'est bien de finir une belle série ou un beau film et que quelque part il y a de l'espoir à la fin. Moi j'ai quand même envie, en termes de divertissement, qu'on ait une touche d'espoir dans ce qu'on produit. Je préfère qu'on le développe de cette façon là parce que si on rajoute l'animation, si on rajoute la musique, le sound design, ça va être trop cruel.